Bonjour à tous, voilà, je me décide à faire un petit live cet après-midi parce que beaucoup avaient loupé celui que j'avais fait le 1er avril et on m'a dit ouais, ça serait cool que tu en fasses un parce que je l'ai loupé. Bon, j'ai réussi tant bien que mal à le mettre sur ma chaîne YouTube, mais c'est pas pareil que si on est en direct. Donc là, je me suis dit, je voulais faire de la pâtisserie, mais bon, je suis un petit peu coincée vu que j'ai l'homme de ma vie qui est en train de faire la sieste dans le salon. Donc pour faire de la pâtisserie, ça me paraît un peu compliqué. Alors je suis sortie et puis je me suis dit, tiens, moi je vais aller papoter avec les gens avec ceux de ma page, ceux qui sont abonnés, ceux qui viennent me voir, ceux qui me lisent, ceux qui ne me prennent pas pour une folle dingo, ou qui me prennent pour une folle dingo, mais qui ne me le disent pas. Bon, c'est gentil, merci. Alors je voulais remercier. Coucou Émile. Je voulais remercier. Alors déjà, je ne veux pas attendre qu'il y ait 10 personnes qui regardent, hein, parce que je suis pas là pour faire du buzz, je suis juste là pour être avec vous pendant quelques instants, premièrement. Donc les gens arriveront s'ils veulent arriver, voilà, premièrement. Deuxièmement, je voulais passer un petit moment agréable avec vous, mais vous voyez, comme pour le 1er avril, hein, voilà, je joins l'utile à l'agréable, d'où le titre de la vidéo, enfin du live. Je joins l'utile à l'agréable. Je voulais donc, comme je disais, faire de la pâtisserie, puisque les choses vont bien. Coucou Delphes. Et les choses vont bien. Je voulais faire de la pâtisserie. Manque de bol, mon cher est tendre, bah, il fait sa sieste. Donc, pas de pâtisserie possible. On va attendre un peu. Hein. De toute façon, pour le goûter, ça ira bien. Donc je me suis dit, allez, je vais papoter un peu avec des gens que j'apprécie, qu'on s'apprécie. Et je vais leur parler un petit peu. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Et je vais leur parler un peu de ce que je mets sur ma page. Alors, coucou Thierry. Pourquoi je poste ce que je poste sur ma page? Ben, tout simplement parce que je pense que derrière ce confinement, et je ne dis pas qu'il n'est pas utile, attention, ou bien au contraire, je l'ai toujours dit, il n'est pas inutile ce confinement, mais, et c'est là que les opinions divergent, il est utile, mais pas pour les raisons qu'on veut bien nous faire croire. Dans le sens où il est utile, certes, parce que c'est un virus qui est contagieux, mais quand on s'attarde sur les données, on se rend compte qu'il est contagieux, oui, mais pas plus grave que un tout autre virus. Hein. Il y a des virus qui ont été tout aussi contagieux. Hein. Vous prenez Ebola, vous prenez il y a quelque temps la dengue. Tout le monde avait peur ici sur Nice. Oh punaise, j'espère qu'il n'y a pas d'insectes tigres parce que, ils vont nous refiler la dingue et patati et patata. Bah, il y a toujours eu des choses pareilles. Sauf que là, à ce confinement, hein, il y a deux raisons. La première, soi-disant, c'est pour pas faire circuler le virus. Et donc pour qu'on reste chacun chez soi, bien tranquillou, en attendant que ça passe. La deuxième, c'est que pendant le confinement, on agit. Il y a des gens qui sont là, dans l'ombre, et qui agissent pour que l'on puisse avoir une vie meilleure, une vie plus agréable, et qu'au final, les choses se passent le mieux du monde.
Sur ma... Alors, pour information, pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis absolument pas politique. Je ne fais absolument pas de politique. Moi, que ce soit, quel que soit le président qui fait ce qu'il fait, comme il fait, comme... C'est pas mon problème. Je vote pas d'ailleurs, de toute façon. Donc, ce n'est pas politique. Thierry, certains profitent du confinement pour installer les antennes 5G sans prévenir les mairies. Alors, ça, c'est un problème, je vais te dire, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vaste que ça. Si tu as 5 minutes, on développe, parce que, en fait, les 5G, elles sont sur Terre, mais elles sont aussi dans l'espace. Elles sont dans les satellites. Donc, je vois certaines personnes qui saccagent, enfin, qui saccagent. Non, elles ne saccagent pas. Elles font tomber les antennes 5G. Et ça, je trouve, mais alors que c'est top, moi je leur tire mon chapeau, c'est génial. Des gens qui font ça, c'est génial. Et franchement, c'est une, pour moi, en tout cas, pour ce que je ressens et pour ce que j'en sais, c'est une très bonne chose. Sauf que, comment on va aller foutre en l'air les 5G qui sont dans les satellites là-haut? Est-ce que vous avez une réponse? Je réponds à la question qu'on m'a posée. On m'a dit, alors il y a Thierry, si j'arrive à retrouver, non, je ne vais pas y arriver. Ouais, Thierry Fornaris qui a dit les antennes 5G, il y en a qui en profitent du confinement pour les installer. C'est vrai, peut-être, je sais pas, j'ai pas d'informations là-dessus, donc, et comme je suis ouverte à tous les possibles, oui. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que j'en sais rien du tout. Par contre, ce que je sais, c'est que les 5G, il y en a au niveau des satellites. Et que la Terre est quadrillée de satellites actuellement avec la 5G. Alors oui, c'est pour faire relais. C'est pour faire relais. Quand le moment sera venu, il y en a un qui va tirer sur la manette de façon à tout activer. Mais il y en a d'autres qui travaillent justement à ce que cette activation ne se fasse pas. Même si les antennes voient le jour aujourd'hui, même si les antennes voient le jour aujourd'hui, si elles ne sont pas activées, c'est foutu. Alors, vous me répondez, sans relais antenne terrestre, c'est mort. Ouais, sans relais antenne terrestre, c'est mort. N'empêche que, est-ce qu'on réussira à enlever toutes les antennes 5G? Parce qu'elles se cachent un peu partout, hein. Elles se cachent dans les arbres, elles se cachent. Certaines sont visibles, certaines sont invisibles, certaines sont mises un peu partout. Donc, est-ce qu'on va réussir à toutes les démonter? Je ne sais pas. Je veux pas être pessimiste, mais je suis pas sûre que on arrivera. Un décret est sorti. Un décret concernant quoi? La 5G? Et pourquoi? Il y a des informations. On est prenant, hein. Bienvenue les informations. On est là pour ça. Hein. Bonjour à tous ceux qui sont là, tous ceux qui arrivent. Hein. Donc, en attendant d'avoir des informations de Thierry Fornaris, j'étais en train de dire que je ne fais pas de politique et que si je poste des choses concernant des grands politiques comme Trump, Poutine, etc., c'est parce que je pense très sincèrement que s'il y a des gens, enfin, si. Il y a des êtres humains, et je ne parle pas de politique, hein, je parle des êtres humains qui sont capables de nous sortir du foutoir dans lequel on est, c'est bien eux. Pour autoriser d'installer les antennes, ah ouais, bah oui, non mais ça,
n'y a pas besoin de décret, hein. Il n'y avait pas besoin, hein, parce que les antennes ont commencé à être installées bien avant l'autorisation d'installation par le décret. Donc, il n'y a pas besoin de décret. Ça, c'est encore un foutage de gueule. C'est encore un foutage de gueule, hein. C'est comme pour les retraites. Si vous n'êtes pas d'accord, 49-3, on vous le fout dans le cul. Non, pardon, excusez-moi, mais c'est sorti tout seul, c'est comme ça. Je peux être très gentille, mais je peux dire aussi très ouvertement ce que je pense. Et là, je suis désolée, c'est parti tout seul, mais c'est vraiment ce que je pense. Il n'y a pas besoin de décret, il n'y a pas besoin de loi. Je veux dire, ils se foutent littéralement de notre gueule. Mais bien sûr que c'est nocif, mais tout le monde le sait, enfin tout le monde. Ceux qui veulent bien ouvrir les yeux et ceux qui veulent bien le voir, ils le savent que c'est nocif la 5G pour la vie humaine. Déjà la 4G n'était pas bonne. Donc forcément que la 5G est encore plus mauvaise. Et dites-vous bien que si on n'arrête pas tout de suite là maintenant ce qui se passe, il va y avoir la 6G, puis la 7G. Alors je vous laisse imaginer les problèmes déjà avec la 5G, ce que ça peut faire. Alors avec les autres, ce que ça peut donner. Hein, c'est juste inimaginable, je pense. Quoi qu'il en soit, donc. Oui, c'est nocif et oui, il faut faire quelque chose. Et moi, je sais que une fois cette histoire de confinement passée, si je peux faire quoi que ce soit, à quelques moments que ce soit, en tant qu'être humain, je le ferai. Je le ferai. Parce que ce confinement nous pousse à regarder ce qui est bon pour nous ou pas. Alors on va nous dire oui mais la 5G tu comprends ça permet de faire des téléchargements plus rapidement ça permet d'envoyer des mails plus rapidement ça permet plein de choses mais est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'on a besoin de télécharger plus rapidement toujours plus vite toujours plus vite toujours plus vite toujours plus vite et tu vas te casser la gueule toujours plus vite. Voilà. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on veut se casser la gueule plus vite encore? Parce qu'on va pas assez vite dans le mur là. Vous ne le voyez pas arriver à toute vitesse là, le mur? S'il n'y avait pas eu ce confinement, vous ne le voyez pas arriver. Depuis le temps que je dis au niveau des vidéos qu'il faut faire attention, qu'il faut prendre du recul, qu'il faut arrêter tout ça. Vous ne le voyez pas arriver, le mur. Il a fallu qu'il y ait le confinement pour que les gens prennent compte que, oh là, mais dis donc. C'est du sérieux là, du coup. On est en train de jouer avec notre vie, mais oui, mais ça fait combien de temps qu'on vous le dit qu'on est en train de jouer avec notre vie et que personne ne fait rien. Et que malheureusement, hein, quand on a commencé à le faire, quand on a commencé à bouger, quand on a commencé à sortir dans les rues, on se faisait, comment dirais-je, on se prenait une douche royale. Via les CRS, on se faisait matraquer la figure, on se faisait mettre en prison sans raison, on se retrouvait avec des blessures bah, de guerre quasiment, hein, parce que le système est quand même en guerre contre nous. Hein. Nous, on n'est pas en guerre. Hein. Enfin, personnellement, je suis en guerre contre personne. Hein. Je ne suis pas en guerre, moi, je suis en paix. Hein. Je pense que sérieusement que c'est le gouvernement qui est en guerre contre nous. Et donc, ben, il l'a montré. Hein. Je pense qu'il l'a assez montré avant la pandémie. Il l'a assez montré. Si vous n'avez pas pu voir ce qui s'est passé à ce moment-là, ben, vous allez le voir maintenant. Maintenant, vous allez vous en rendre compte. Parce que maintenant, grâce à à ce confinement, il y a plein de choses qui se mettent à jour et il y a plein de choses qui ressortent. Et là, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, on allait trop vite. Hein, que le mur arrivait à toute vitesse. Et que s'il n'y avait pas eu cette histoire de confinement, on ne sait pas où est-ce qu'on aurait fini. Comment on aurait fini? Et comment notre descendance aurait fini? Hein? Alors, c'est bien de prendre compte que la 5G est nocive. C'est bien. Mais pour information, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça qui est nocif en ce moment. Et beaucoup de gens travaillent dans l'ombre pour faire ressortir tout ce qui est nocif. Et autre que la 5G, j'aime autant vous dire. Autre que la 5G. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'Amérique déploie des forces navales en ce moment. C'est tout.
c'est sur de nombreux sites sur Internet. Elle déploie des forces navales en ce moment. Croyez-vous qu'avec les moyens qu'elle a, elle n'est pas mise à terre, hein, par... le virus l'a pas mise à terre du tout. D'ailleurs, pour le prouver, c'est que Trump a quand même montré comment dire, un objet qui, enfin un objet, je trouve même pas mes mots, pour faire les tests très rapidement contre le virus pour voir qui c'est qui était atteint et, ou pas. Donc, s'il est capable de faire ça en très peu de temps et pouvoir voir qui est vraiment atteint ou pas, il est capable de faire plein de choses. Plein de choses. Et croyez-vous qu'une fois qu'ils aient dépisté les gens qui ont ou pas le virus et qui lui donnent un traitement, parce qu'au passage, notre professeur Raoul, qui est jeté plus bas que terre, que certains prennent pour un illuminé et que d'autres prennent pour peut-être un scientifique qui va peut-être aider à sauver beaucoup de personnes de ce virus. Pourquoi est-ce que l'Amérique demande le protocole du docteur Raoul si ce n'est pas parce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que l'Amérique donne le protocole du docteur Raoul à tous ceux qui sont atteints de ce virus? Je sais pas. Peut-être qu'il faudrait se poser la question plutôt que de lui taper sur la tête à ce cher professeur. Et puis notre maire aussi, hein, le maire de Nice. Hein. Donc pour nous, ces simples êtres humains qui ne faisons pas partie d'aucun parti politique ni rien du tout, qui ne sommes que des moins que rien, quoi, en final des moutons. On a besoin d'un test, on a besoin d'être testé. Hein. Pour nous, les tests n'existent pas encore. Et ah, il faut attendre, ouais, il faut attendre. Sauf que le maire, lui, bah, il a été testé. Ah ouais, bon, testé positif. Ah, on n'a pas cherché à attendre que le docteur Raoul il développe son médicament. Hein. Non, non, on lui a donné cash d'office. Bah ouais. Et maintenant, il va mieux. Donc, je pense que s'il y a besoin d'une preuve quelconque sur l'efficacité de ce professeur, on l'a. On l'a. S'il en fallait une, on l'a. Mais ça suffit pas. Ben non. Ben non, ça suffit pas. Parce que, au final, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il y ait beaucoup de gens qui soient contaminés, mais même pas grandement ou même pas terriblement. Juste qu'ils aient été contaminés. Et du fait qu'ils aient été contaminés, du coup, bah, la famille, elle a peur d'être contaminée aussi. Et à quoi ça va servir le traitement du docteur Raoul si on est déjà en train de préparer un vaccin contre la maladie? Donc non, bah, on fait attendre un petit peu. On ne donne pas à tout le monde ce traitement parce qu'il y a des gens qui en auraient besoin actuellement, hein, de ce traitement. Mais non, 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 non. C'est pas dans les lignes du jeu, c'est pas dans le but au final. On va attendre de créer des tests et puis de voir effectivement si les gens sont bien atteints ou pas. Et puis après, bah, donner le traitement, enfin, ou pas, ça dépend. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se jouent derrière ce confinement. Ne pas croire que ce confinement est juste là pour le virus. Il y a beaucoup de choses qui se jouent derrière tout ça. Et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à la 5G parce que la 5G, c'est une façon de nous maintenir encore. Ouf, mon dessin qui sort, qui se barre. La 5G, c'est une façon de nous cacher. Je dis pas que ça n'existe pas et je dis pas qu'elle n'est pas dangereuse. Je dis juste que c'est une façon encore supplémentaire, pardon, de nous maintenir dans l'ignorance de ce qui se passe au-delà. Est-ce que vous savez ce qui se passe en dehors du confinement?
Personne ne sait puisque tout le monde est chez soi. Et puis que les informations ne racontent que des bêtises, que des âneries. Donc bah au final, personne ne sait rien. Bah non, personne ne sait rien. Donc à moins d'aller chercher les infos par soi-même et d'être soi-même les journalistes et de faire de jouer les journalistes hein, tout simplement hein, et de chercher les infos là où elles se trouvent hein, parce qu'elles sont disponibles pour tout le monde. Maintenant, on va les chercher ou pas. Moi, je vais les chercher, mais finalement, ça me gave. Alors, qu'est-ce que je pense d'un plan de la réduction de la population mondiale? Ah, eh bien, j'ai fait une vidéo, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, ouais. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Et, à vrai dire, certaines ont été vues, elles ont été commentées, et d'autres non. Ça, c'est, ça fait partie du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial est là, a été établi. Alors, je ne monterai pas plus loin que Pompidou. Hein, pour ce qui est du nouvel ordre mondial, les Rothschild aient eu accès à beaucoup de choses bien avant. Je dirais que les vrais. Enfin, là où on aurait pu voir les débuts de ce nouvel ordre mondial, ça a été au temps de Pompidou. Vous n'allez qu'à aller voir sur internet, vous tapez Pompidou, vous voyez pour qui il a travaillé avant d'être président, vous voyez avec qui il a travaillé, vous voyez à quel moment il a été déclaré président et vous voyez quelles sont les lois qu'il a fait passer pendant son septennat à l'époque, je crois. Hein. Voilà. Et vous comprendrez beaucoup de choses. Si je ne me trompe, et je sais que je ne me trompe pas sur ce coup-là, Hollande, Sarkozy, Macron, on dit tous les trois qu'on ne pouvait pas échapper, que personne ne pourrait échapper au nouvel ordre mondial. Bien, je me suis informée sur le nouvel ordre mondial. Au début, ça me semblait bien. Je me disais, pourquoi pas? Ça peut être une solution. Et quand j'ai vu ce qui se... oh, bah, décidément. Et quand j'ai vu ce qui se passait derrière, bah, je me suis dit, finalement, ça pue. Ça pue. Parce qu'ils veulent faire quand même diminuer les trois quarts de la population. Hein. On est quand même 7 milliards sur Terre en ce moment. Et ils veulent faire diminuer les trois quarts de la population. Donc je vous laisse imaginer un petit peu le nombre de personnes qui vont rester. Si on ne fait pas quelque chose, je vous laisse imaginer. Alors oui, je sais qu'il y a un plan de réduction de la population mondiale. Et ce virus aurait pu être une très bonne solution pour le plan adverse. Parce que ça aurait permis de diminuer pas mal de gens. Alors déjà, il y a eu pas mal de gens de diminuer du fait qu'ils étaient âgés. Hein, ils étaient âgés. Donc il faudrait quand même qu'on m'explique comment dans un EHPAD où nos anciens n'ont plus de contact extérieur avec personne, sauf avec le personnel soignant, comment il y a eu autant de décès dans les EHPAD. Ça, je sais pas. Il y a un truc qui a dû se passer, je sais pas. Ils ont peut-être été vaccinés d'un vaccin antigrippal qui n'a pas bien fonctionné et qui, comme d'habitude et tous les ans, ça diminue la population des personnes âgées. Hitler était de la famille des Rothschild. Alors, pour être honnête avec toi, je ne le savais pas seulement. Et entre autres, je vais te dire, je m'en fiche. Sérieux? Je m'en fiche que Hitler fait partie de la famille des Rothschild parce que c'est pareil. C'est juste du mauvais. Donc, qu'il fasse partie de la famille des Rothschild ou des Rockefeller ou des... Ils sont tous à manger dans le même sac, dans le même panier. Je ne vois absolument pas où est
Qui te la fasse partie des Rothschild? Bah ouais. Bon, eh ben là, on est en train de dire que celle qui gouverne l'Allemagne, c'est pour vous dire comment je suis attachée à la politique, celle qui gouverne l'Allemagne, là, bah, c'est une descendante directe de Hitler. Alors, si elle est descendante d'Hitler et que Hitler fait partie de la famille des Rothschild, elle fait aussi partie de la famille des Rothschild. Quelque part, ça ne m'étonne pas. Moi, j'ai l'esprit ouvert à tous les possibles. Donc, oui, possible, possible, oui. Ça ne m'étonnerait pas. Et puis, ça ne m'étonnerait pas non plus que la dirigeante allemande fasse partie de la famille d'Hitler. Ça ne me dérange pas, puisque à première vue, ils ont fait son arbre généalogique et c'est une descendante de la famille d'Hitler. Oui, entre autres, oui. Ouais, la Deuxième Guerre mondiale, entre autres, oui. Ouais. Il y a d'autres choses qui se sont jouées. Il y a d'autres choses qui se sont jouées. Mais oui, ça en fait partie aussi. Ouais, tout à fait. Donc je vous dis, il y a plein de choses qui. Est-ce qu'avant le confinement, est-ce que vous saviez tout ça? Sérieux, vous saviez tout ça? Les trois quarts des gens ne le savaient pas. Pourquoi ils le savent maintenant? Parce qu'ils s'emmerdent, ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Et ben, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur Internet. Et puis là, ben, comme tout est ouvert et comme il y a toutes les informations sur Internet, hein, et ben, si vous prenez les bons sites, vous êtes au courant de ce qui se passe. Et donc forcément, vous tombez sur des trucs hallucinants. Non. Non, non, c'était pas pour une race pure, pour abreuver les pédosatanistes, ça c'est absolument pas vrai, hein, parce que, alors oui, Hitler, il a remonté, si à l'époque Hitler avait remonté les finances de son pays, avait diminué le chômage et tout le reste, je vous rappelle quand même que il a fait tuer tous ceux qui n'étaient pas blonds aux yeux bleus, hein. Et qui n'est en dehors des juifs, bien sûr, et il a fait tuer tout le monde, tous ceux qui n'étaient pas blonds aux yeux bleus, et que lui était juste petit, brun, et cherchait un petit peu à savoir d'où vient Hitler, et vous verrez que c'était pas pour abreuver, pour. Ah oui, pardon, j'avais pas compris, c'était pour une race pure, pour abreuver. Oui, voilà, d'accord, oui, là, oui, d'accord, j'avais compris le contraire, moi, excusez-moi, je suis désolée. Désolé, 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 je m'excuse. Je m'excuse. J'avais pas compris le sens de la phrase, je suis désolée, mais oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce que Hitler, il voulait une race pure, alors que lui n'était absolument pas pur. Hein. Donc voilà, c'est des gens qui veulent mener le monde, qui veulent imposer des choses dont eux-mêmes ne sont pas. Ne sont pas issus. Donc voilà, c'est pas. Il y a beaucoup trop de choses. La crise était un prétexte. Mais la crise était un prétexte, oui, mais tout comme maintenant. Tout comme maintenant. Le confinement est un prétexte. Voilà. Donc le confinement, en fait, il a deux. Si vous voulez, c'est comme une médaille. Comme une médaille, comme une pièce, si vous voulez. Il y a double face. Vous avez la face côté confinement. Vous avez une des faces qui vous dit le confinement. Et là pour vous aider, et oui, ça nous aide parce que ça nous permet de se poser, voir un peu ce qui se passe, prendre du recul sur pas mal de choses, voir de quoi on a besoin ou pas besoin. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une antenne de 5G qui va nous faire un téléchargement en 2 secondes alors que ça nous pourrit la vie? Est-ce qu'on a besoin de la dernière Rolex qui vient de sortir? Est-ce qu'on a besoin du dernier Apple? Est-ce qu'on a besoin du. Enfin voilà. Se poser la question, est-ce que c'est ça qui nous fait vivre? Hein? Le jour où vous n'aurez plus rien dans votre assiette et que vous aurez juste votre Rolex ou votre iPod ou votre iPhone ou peu importe, hein? Vous allez le manger aussi parce que vous n'avez rien d'autre? C'est ça qu'on veut? Moi, c'est pas ça que je veux. Moi, c'est pas ça. Bah écoutez, j'ai une terrasse et je fais pousser des légumes. Bah ouais, parce que je me dis que c'est quand même plus intéressant que d'avoir la dernière Rolex, le dernier iPhone, la dernière Mercedes ou tout ce qui s'ensuit. Voilà. Je suis pas contre l'argent.
dans le sens où l'argent est une énergie et que si en fait la façon dont on s'en sert, si on s'en sert à bon escient ou pas, je veux dire, si on s'en sert pour se nourrir, l'argent, il n'y a aucun problème avec l'argent. Si on s'en sert pour faire du mal, hein, ou pour se la jouer, ouais, moi j'ai ça, toi t'as rien, je trouve que c'est très dégradant, très dégradant. Et donc là, l'argent n'a pas lieu d'être. Voilà, c'est tout. Oui, la guerre avec Hitler, ça a été, c'était un prétexte. Tout comme le confinement, donc je vous disais, la deuxième phase de la médaille, c'est que d'un côté, on a le confinement pour savoir ce que nous, vraiment, on a besoin. Et est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'on a besoin de toute cette mondialisation qui nous tourne autour et qui fait de nous des esclaves au final? Parce qu'on est devenus des esclaves. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. On est devenus des esclaves. On nous presse le citron jusqu'au bout. Déjà, on fait de nos enfants avec les vaccins, on les amoindrit de façon à ce qu'ils ne puissent pas rouspéter après, quand plus tard, quand on va leur dire, ouais, il faut que tu bosses, mon pote, pour payer tes impôts. Bah, le gamin, il est tellement. Tellement pas idiot, parce qu'un enfant c'est pas idiot, mais enfin la personne, l'adolescent ou l'adulte aura été tellement sous l'influence de ces vaccins que bah, il n'aura même pas la force de dire non, bah ouais, faut que je paye ici, il pourra même pas réfléchir par lui-même parce que ses neurones auront été atteints de telle façon que j'obéis, voilà, je rentre dans les cases et j'obéis, c'est ça la vie, c'est ça la vie, rentrer dans les cases et obéir à des lois qui vont contre notre bien-être et contre notre vie. Non, je ne pense pas, personnellement. Je vous donne mon avis, hein, chacun le sien, je ne pense pas. Donc voilà, alors ça c'est le premier côté du confinement. Donc c'est voir ce dont on a vraiment besoin ou pas. La deuxième, c'est de faire des choses. Alors il y en a qui en profitent pour continuer à faire des atrocités, et d'autres qui en profitent pour faire le bien. D'autres qui en profitent pour faire le bien. J'en reviens au bateau de l'Amérique, hein, pour ne pas citer de nom. Des bateaux d'Amérique qui ont été mis à disposition pour des enfants, pour des bébés, qui ont été maltraités, qui ont été sous la juridiction, enfin, qui ont été capturés par un certain parti américain et qui était là pour faire comment dirais-je? C'est tellement plus dans mon monde ça que je n'arrive même pas à trouver le mot. Des sacrifices, voilà. Pour faire des sacrifices, des enfants qui. Ben, je suis contente que je prêche devant un convaincu, mais dis-toi bien que beaucoup ne le sont pas. Voilà, beaucoup ne le sont pas. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets et que je m'autorise à faire ces petits lives et ces vidéos de temps en temps, parce que beaucoup ne sont pas au courant et c'est dommage. Et donc c'est pour ça que je peux pas. Je suis pas un sauveur, je suis pas le maître du monde, juste. Je cherche, j'essaie de comprendre, j'ouvre les yeux et je me dis que 1 plus 1, ça fait 2. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Sciences Po pour ouvrir les yeux et voir ce qui se passe actuellement. Hein. Donc il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Maintenant, oui, il faut respecter le confinement dans le sens où c'est pour nous, pour notre bien. Et laisser faire les choses. Ben oui, parce que je suis pas là pour juger, Thierry. Je suis pas là pour juger. Je suis là pour apporter le peu de choses que je sais, que j'ai été un petit peu chercher à droite et à gauche, et que des gens m'envoient par Messenger, parce que du coup. Comme les gens se sont rendus compte que je ne racontais pas forcément que des bêtises et que je ne postais pas que des bêtises, du coup, ils m'alimentent, tu vois. J'ai même pas besoin d'aller voir la télé parce que tout ce que je dis sur ma page, en fait, ça ne passe pas à la télé. Oh, je sais pas, ça s'en va, ça revient, 3, ça va, ça se joue entre 3 et 5 personnes. Mais j'ai jamais fait un grand buzz, hein, dans les lives, hein, ça. Jamais, hein, jamais fait de grand buzz.
Après, quand je poste sur ma chaîne YouTube, ça fonctionne mieux. Mais à la base, j'ai jamais fait de grand buzz, hein, au départ. Il y a quelques temps de ça, pour un autre sujet qui était aussi important, j'ai dû faire 10, 15 personnes qui écoutaient. Je ne suis pas le genre de personne qui fait du buzz, hein, non. De toute façon, je m'en fiche parce que je ne suis pas là pour faire du buzz. Hein, les gens qui sont appelés à regarder mes vidéos sont là. Ceux qui ne sont pas appelés à regarder mes vidéos, ne sont pas là. Et puis voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Je gagne rien. Qu'est-ce que je gagne, moi, à faire ça? Rien. Donc, juste pour information. Juste pour information. Parce qu'il y a des gens, malgré tout ce qui se passe, ne veulent toujours pas voir ce qui se passe. Et il y a des gens qui sont tellement comme ça, dans leur. Et c'est pas un jugement, c'est un constat. Que même on leur montrerait par A plus B que ce qui se passe actuellement, c'est beaucoup plus que ce qu'ils ne pensent, ils n'y croiraient pas. Ben non, ils n'y croiraient pas. Parce que ça fait peur, pour certains, parce que ça dérange. Parce qu'il va falloir faire un choix et quand on fait un choix, on ne sait jamais si on fait le bon ou le mauvais. Et qui sait à l'instant T ce qui va se passer dans une heure, dans un jour ou quoi? Il y a un plan qui est en marche. La seule chose que je peux savoir, que je peux, dont je suis persuadée, intimement persuadée, c'est qu'il y a un plan en marche. Le plan est en route. Voilà, le plan, que ce soit au niveau de la Terre, que ce soit au niveau des autres dimensions, pour ceux qui y croient, ou n'importe, le plan est en route. Alors, si nous, personnellement, on veut aider pendant que tout cela se fait, c'est déjà prendre conscience, nous, de ce qu'on veut après le confinement. Est-ce qu'on veut garder la vie qu'on avait avant? C'est-à-dire courir partout, ne plus avoir de vie au final, et puis donner de l'argent sans arrêt à des gens qui ne veulent que notre mort, hein, du début à la fin, qui nous font vivre dans l'illusion de se dire je suis propriétaire de ci, propriétaire de ça, mais que si du jour au lendemain, ils ont décidé de vous prendre votre maison ou de vous prendre ce que vous pensez être à vous, votre voiture ou n'importe, ils le peuvent. Ils le peuvent, ils ont, il n'y a aucun. Si vous ne faites pas valoir vos droits, si vous ne tapez pas du poing, si vous ne sortez pas les bonnes lois. Pardon, le pollen, ça va pas trop. Si vous ne sortez pas les bonnes lois, si vous ne sortez pas tout ce qu'on vous met à disposition maintenant pour aller contre ce qui va se passer après, ce confinement n'aura servi à rien. Et ce confinement doit servir à quelque chose. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui, vous êtes à un moment de votre vie où vous devez faire un choix. Voilà. Soit vous faites le choix de continuer à alimenter un système qui veut nous voir diminuer de trois quarts, qui veut nous rendre en esclavage et qui veut faire de nous des pantins et voire même par la suite la diminution de l'homme par la machine, parce que l'intelligence artificielle est déjà là, elle est déjà bien en place, hein, elle est bien installée, hein, bien comme il faut, hein, et sur Terre et sur d'autres plans. Donc voilà. Est-ce que vous voulez continuer ce confinement, il est là pour ça? Est-ce que vous voulez continuer à avoir ce système continuer, perdurer et donc recommencer les mêmes choses qu'avant? Ou est-ce que vous voulez tout simplement changer de vie, changer votre mode de vie, reprendre votre liberté? Je ne sais pas. Je pense que c'est à chacun de faire son choix maintenant. C'est voilà, on ne sait pas combien de temps le confinement va durer. Il y en a qui disent jusqu'en mai, d'autres jusqu'en juin, d'autres sûrement. On va peut-être commencer à libérer les gens pour les grandes vacances, je sais pas. Or ça aussi, ça va être un joyeux bordel le jour où le confinement va être levé. Hein, c'est un peu comme les départs en vacances, hein, ça va être du.
Ça va être très chaud, hein, je pense. Hein, mais bon. Écoutez, moi, si j'ai un message à vous laisser, parce que ça y est, monsieur est réveillé, donc je vais pouvoir faire ma pâtisserie, hein, parce que c'est pas le tout, je suis quand même mère de famille et femme au foyer, donc j'ai mes petites activités. Du coup, j'ai arrêté mon coloriage, vous avez vu. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de profiter, mais vraiment pleinement. Attends, les gens ont peur, ils ont peut-être contre tout, mais il faut pas déranger leur. Oui. Ben, tu vois, c'est pour ça que là, maintenant, suite à ce que tu viens de dire, c'est pour ça que là, maintenant, on est arrivé à un point où ben, il faut savoir. Il faut savoir, est-ce que notre canapé est plus important que notre santé? Est-ce que notre super écran télé est plus important que notre santé? Est-ce que le fait d'avoir une super montre qui vaut des millions est plus important que la santé? Ou d'avoir une super bagnole, est-ce que c'est plus important? Alors, si vous estimez que que le confort est plus important que votre santé, changez rien. Le système vous ira très bien. Ah ouais? Il vous ira très bien. Par contre, si vous estimez que la santé n'a pas de prix, hein, et que tout ce que vous avez n'est pas important à côté du fait d'avoir une bonne santé, ben, là, vous changez votre façon de penser, vous changez votre façon de voir, et beaucoup de choses pourraient changer. Mais vous êtes, enfin, vous êtes, non, vous n'êtes pas, on est tous à un moment où il faut faire un choix. Et le choix se verra après le confinement. Le choix que vous avez fait, selon comment vous allez agir, il se verra après le confinement. Et là, bah, on verra de quel côté on va se placer. Est-ce qu'on va continuer cette histoire de mondialisation, à continuer à aller se fournir dans les hypermarchés, dans les supermarchés, sous prétexte que c'est moins cher, mais où les légumes, les fruits et tout ça n'ont absolument non content, ils n'ont pas de goût. Mais en plus, bonjour, l'empreinte carbone de la planète. Hein. Parce que si vous allez, si vous prenez des ananas qui viennent de Martinique ou d'Afrique ou de Dieu sait où, bah, il y a quand même une empreinte carbone. Hein. Je sais pas, hein. Il y a quand même une empreinte carbone. Donc voilà, est-ce qu'on veut faire vivre les petits commerçants qui sont près de chez nous, qui sont là tout le temps à nous défendre, à nous dépanner, parce qu'ils nous dépannent. Si vous n'avez pas, si tout de suite là, vous allez acheter des œufs, mais que vous n'avez pas 2 € pour aller vous acheter 6 œufs, ben, ils vous les donnent, ils vous les avancent, et vous paierez plus tard quand vous aurez l'argent. Vous croyez qu'au Auchan, au Carrefour, Intermarché, Leclerc et tout et Quanti, ils vont vous le faire ça? C'est tout. Faisons vivre les petits commerçants. C'est peut-être un peu plus cher, certes, mais c'est meilleur. C'est meilleur pour la santé. Déjà, c'est une bonne chose. Puis eux, ça permet de vivre aussi. Hein, vous allez, si vous êtes adepte du lait, du fromage, etc., il y a des fermes. Vous pouvez aller dans une ferme, aller chercher du lait dans une ferme directement. Aller chercher vos poulets ou votre viande directement comment, de l'éleveur au consommateur. Ça éviterait déjà tous les transits par où elle passe, la marchandise. Hein. Donc. Au final, ça revient moins cher. Au final, ça revient moins cher. Parce que vous n'avez pas tous les transits. Et c'est meilleur. Donc, pas étiré. Donc, ouais, je pense que. En fait, pour moi, le choix, il s'impose pas, il est là. Voilà, c'est comme ça. C'est pas moi qui allais faire les courses jusqu'à maintenant. Mais si je veux faire les courses, je ne vais pas dans les grands marchés, dans les grands supermarchés. Non, j'irai dans des petits commerces.
Quitte à y aller deux, trois fois dans la semaine, c'est pas grave. T'achètes pas tout d'un coup, c'est pas grave. Le monde va pas s'écrouler parce que t'as pas fait tes courses de la semaine. T'y vas un peu tous les jours. Déjà, les produits sont déjà plus frais. T'as pas besoin d'en garder autant dans le frigo. Tu prends juste ce que tu as besoin pour tes deux ou trois jours et puis ainsi de suite. Tu fais pas la queue dans les grands centres commerciaux. Tu te prends pas la tête avec le client d'à côté qui arrête pas de râler parce que il a passé une mauvaise journée et puis parce que ça le fait chier et puis que du coup il emmerde tout le monde. Je sais pas, il y a plein de bonnes choses. Il y a plein de bonnes choses. Il y a plein de bonnes choses. Il suffit de les trouver, de les prendre, de les chercher et d'accepter le fait que bah, si vous voulez que votre vie change, il faut déjà que vous commenciez à changer par vous-même en vous disant mais qu'est-ce qui est bon pour moi et pour ma famille? Qu'est-ce qui est bon pour nous, pour notre santé? Et après, aller en direction de ce qui est bon pour vous. Et faire vivre surtout ce que vous voulez voir venir et non pas alimenter des choses qui ne sont pas bonnes. Voilà, c'est pas plus compliqué et en même temps c'est très difficile. C'est pas compliqué et en même temps c'est très difficile. Parce que changer ses rythmes, que changer sa façon de faire, sa façon de vivre au quotidien, le rythme de vie, sa façon de vivre, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Ça se fera pas en un claquement de doigts. Mais à côté de ça, à partir du moment où vous avez pris la décision que, à partir de maintenant, vous allez vous adresser aux petits commerçants, à l'agriculteur du coin, même si vous devez faire 10 km en voiture, c'est quoi 10 km en voiture pour aller chercher votre lait ou votre fromage ou peu importe. 10 km en voiture, c'est quand même moins important que de faire tourner un avion là-haut hein, pour aller chercher du fromage que vous allez manger dans votre assiette, alors que vous avez le même à 500 mètres ou même à 10 km de chez vous. C'est quoi le... Je comprends pas. Je comprends pas. Moi, ça s'impose comme une évidence. Ça s'impose comme une évidence. Faire du commerce avec les gens du coin. Voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est comme ça qu'on va y arriver. Stop à la mondialisation. Moi, personnellement, stop à la mondialisation. Et à tout ce qui va avec. Et à tout ce qui va avec. Ah, mais je ne vous dis pas, hein. Avant, j'étais comme vous, hein. J'allais sur Wish, je commandais sur Wish. Et d'ailleurs, c'est pour vous dire que juste avant le confinement, j'avais commandé des choses que je ne recevrais sûrement jamais. Bah non, parce que chez moi, je sais pas si chez vous c'est pareil, mais chez moi, le facteur il passe pas. Non, le facteur il passe pas. Ils ont essayé d'ouvrir la poste, ils ont été défoncés depuis la poste est fermée, ça passe pas. Donc ça fait bientôt 3 semaines qu'on n'a plus de courrier. Qui dit pas de courrier, pas de facture, qui dit pas de facture, voilà. Et donc, comme je vous disais, au départ, j'étais comme vous. Moi, je disais, ouais, c'est pas cher, ouais, c'est génial et tout. Et pourtant, je me dis, ouais, mais tu sais, il y a des enfants quand même qui travaillent. Et puis, oh, mais non, il n'y a pas que des enfants qui travaillent. C'est quand même bien, quoi. Tu peux avoir des trucs bien, pas cher. Ça te fait une saison, mais tu t'en fous vu le prix. Ouais. Sauf que grâce au confinement, on se rend compte que non seulement on faisait travailler des enfants, mais qu'en plus on participait à l'empreinte carbone. Parce que même si la Terre elle a besoin de CO2 pour vivre, il faut dire que nous, avec la mondialisation, on a été vraiment. Et moi autant que vous autres, hein, on y a été vraiment bien, hein. Fort de décoffrage. Hein. Donc voilà, je pense que le confinement, c'est à ça que ça sert. Est-ce que j'ai besoin des trucs de Wish? Est-ce que j'ai besoin des trucs de Joom? Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Tout ce que peut m'apporter Wish ou Joom ou d'autres trucs comme ça, je l'ai à la maison. Enfin, je l'ai près de chez moi. J'ai pas besoin d'aller là-bas. J'ai pas besoin. Donc,
Faudrait peut-être commencer à se rendre compte que on n'allait pas dans la bonne direction, que ce confinement est fait pour que l'on prenne une décision pour pouvoir faire un choix et aller enfin vers la bonne direction, et que chacun puisse se retrouver un peu en paix, puisse avoir un peu des vacances, puisse se retrouver avec lui-même et surtout qu'il puisse réfléchir à ce qu'il va faire après. Après. Parce que c'est là que tout va se jouer. C'est après le confinement. Là, pendant le confinement, on est tranquille oublou encore, hein. C'est après le confinement. Qui va faire quoi après le confinement? Alors, n'hésitez pas, hein. Vous savez que vous pouvez répondre sous ce live. Je vais essayer de le mettre sur YouTube. La dernière fois, j'ai eu beaucoup de mal à télécharger le live sur YouTube. Tu vois, il y a des moments où ça marche, il y a des moments où ça marche pas, je sais pas. Donc, si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, j'essaierai jusqu'à ce que ça marche, hein, parce que moi aussi, je suis têtue. Ah, juste avant de vous laisser, et pour information. Il se peut, je dis bien, il se peut, et ce n'est pas parole de prophète, ni de messie, ni de rien du tout. C'est juste pour information, puisque j'ai eu moi-même l'information. Donc, je vous transmets l'information que j'ai eue. Vous en faites ce que vous voulez, vous y tenez compte, vous en prenez compte, vous en prenez garde, vous faites comme vous voulez. Mais d'après les informations que j'ai eues, il se peut que d'ici. Alors, je vais être large, hein, je vais être large. Hein. Les gens qui m'ont donné les infos étaient moins larges que moi, mais moi je vais être large parce que le temps finalement n'existe pas et que tout se passe selon comment chacun vit dans son espace-temps, dans son espace temporel, on va dire. Donc, pour information, il se peut que, premièrement, il y ait des coupures d'électricité qui ne vont pas durer longtemps, mais qui seront nécessaires. Premièrement, des coupures d'électricité. Deuxièmement, il se peut qu'il y ait des coupures d'Internet. C'est-à-dire que pendant un certain temps, vous n'aurez pas Internet, ou alors vous l'aurez par saccade. Il se peut. Alors, je précise bien, il se peut. Parce que chacun fait vivre sa réalité et la réalité de mon voisin n'est pas forcément la mienne. On est chacun dans un système où on crée sa propre dimension de vie. Donc, je vous dis, il se peut. Et c'est pour info. Et n'allez pas vous jeter sur tout ce qui passe, qui peut faire de l'énergie, etc. Ça servira à rien. C'est juste ce que vous allez vivre, ce que vous faites, ce que vous nourrissez et ce que vous allez faire vivre. Donc, premièrement, coupure électrique. Deuxièmement, coupure Internet, c'est-à-dire reset. Troisièmement, coupure télévision. Mais bon, si on n'a plus d'électricité, on n'a plus de télévision en général. Mais la coupure, s'il y a des coupures de courant, ça sera épisodique. La coupure de télé durera peut-être ou pas plus longtemps. Et entre-temps, vous aurez peut-être ou pas des messages qui vont s'afficher sur ce qui se passe. Parce qu'on ne veut pas laisser les gens non informés, mais il vaut mieux que certaines personnes ne sachent pas tout ce qui se passe. Donc, les messages auront lieu ou pas. On n'est pas le 1er avril, hein, je vous assure, mais bon. Donc, les messages auront lieu ou pas par intermittence, par un réseau spécial qui a été construit exprès pour tout ce qui se passe. Et donc, vous aurez les informations au moment venu et quand elles auront lieu.
comment dire, on m'avait donné des dates, mais je ne les donnerai pas parce qu'elles ne coïncident pas avec ce qui se passe en ce moment. Donc je ne vous le donne pas. Et comme je vous dis, le temps n'existe pas. Le temps, c'est l'homme qui l'a fait. Le temps n'existe pas. Donc ça peut très bien se passer pendant la vidéo, après la vidéo, ou pas du tout. Ou pas du tout. Voilà. Tout dépend. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Avec d'autres mots, Thierry. C'est ce que j'étais en train de dire, mais avec d'autres mots. Mais c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Voilà. Mais tu vois, j'essaye de, comment dire, de protéger les susceptibilités de chacun, les pensées, les. Voilà. Donc. J'essaye d'en dire, mais pas trop, histoire que les gens ne s'affolent pas. Déjà que dans la rue, c'est comme c'est un petit peu. Enfin, pas dans la rue, non, pas la rue, c'est relativement calme, mais dans les centres commerciaux, c'est déjà un peu la panique. Alors aussi, on commence à dire tout ce qu'on sait et où on va les chercher et comment on le sait. Alors là, c'est terminé. Là, c'est plus des hôpitaux. Des hôpitaux pour le virus qu'on va construire, c'est des hôpitaux psychiatriques pour mettre tout le monde dedans parce que tout le monde sera devenu barjot. Bonjour. Bonjour Eliel. Donc voilà, j'essaye de pas en dire trop tout en essayant de dévoiler. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident parce que j'ai plein de choses à dire et je peux pas les dire telles que je les ressens parce que les gens ne sont pas prêts à les entendre. Voilà. D'où le fait que je poste sur ma page. Thierry, je ne sais pas si tu connais ma page, mais tu verras que je poste des choses pour petit à petit venir les gens, pour qu'ils viennent petit à petit à s'informer. Et j'espère que ce que je poste, au final, j'espère que ce que je poste, le but c'est de poster quelque chose, tu vois? Poster quelque chose et de pousser la personne qui va voir ça à se dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Attends, je vais aller voir parce que c'est pas normal. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Et du fait que ça va, si les personnes en sont comme ça et qu'elles vont chercher à comprendre ce que je leur ai mis, quelque chose qui n'est pas très clair au final, mais qui, si elles cherchent un peu, deviendra beaucoup plus clair, bah, elles le chercheront d'elles-mêmes, elles trouveront d'elles-mêmes, et du coup, elles seront moins étonnées. C'est pas comme si c'est moi qui leur annonçais, parce que si moi je leur dis. Ça va? Maman, Pas encore un bobo? oui, mais je me suis mis des essorts, il y en a une, elle est Comment t'as fait rentrée. pour mettre des écharpes? Alors que t'es dans la chambre? En fait, elle avait une flèche. Tu vois la flèche? Je voulais en faire genre un faux radar, mais la flèche elle tenait pas, donc du coup, ben, D'accord, je l'ai finis, ouvert et je puis finis après, mon ben. live, je finis mon live et je te le Il faut y mettre de l'esprit gel, non, il me semble. Non. Non? T'en as pas? Il faut mettre une pommade hydratante. Oui. Oui, mais Si ça j'avais peut. les écharpes de fibres de verre qui s'est foutu dans le bois, mais bon. Mais il y en a une, Donc, elle est rentrée dans ma peau. ah bah, si elle rentre dans la peau, elle sortira toute seule, ta peau, elle va Voilà, c'est l'éjecter. ça. Elle va sortir toute seule. Donc voilà, hein, voilà, confinement oblige, toute la famille en live sur Facebook. Voilà. Ma vision pour le futur proche. Alors, je ne suis pas voyante. Je ne suis pas voyante. Et le futur proche ne dépend de ce que je peux ressentir. Parce qu'en fait, le futur proche, chacun le fait selon sa façon de penser. Encore une fois, on est sur Terre et nous créons nous-mêmes notre. Nous créons nous-mêmes ce que nous voulons voir arriver et voir vivre. Si vous alimentez, par exemple. Bonjour Gigi, ça fait longtemps. Si vous voulez alimenter le système, la peur de manquer de l'argent, la peur de ne pas aller travailler, la peur de oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez vivre la peur. Vous aurez la peur parce que vous allez l'alimenter. Vous allez alimenter la peur.
Et donc, forcément, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous aurez peur. Vous vivrez dans la peur. Après, vous pouvez alimenter et quelque chose de bien aussi. C'est-à-dire de vous dire, moi, après le confinement, le plan se met en marche. Tout le monde va dans la même direction. Tout le monde se donne la main. Tout le monde s'entraide. On arrête cette bon sens de bonsoir de mondialisation et on vit libre comme on devrait le faire au départ. Et ceux-là vivront de la façon qu'ils l'ont décidé. Ah, ils vont peut-être passer pour des barges ou des allumés ou des marginaux, hein. C'est pas grave, hein. Mais ils vivront ce qu'ils ont alimenté et ce qu'ils veulent vivre. Donc, je ne peux pas, je n'ai pas de vision globale. En fait, j'ai une vision qui m'appartient, qui est mais personnelle, du futur proche. J'ai une vision qui est personnelle, que j'alimente régulièrement au quotidien. C'est-à-dire, je veux l'équité, je veux l'amour, je veux la paix dans ce monde. Je veux que tout le monde ait un toit, je veux que tout le monde ait à manger. Je veux que tout le monde soit égal. Égalité, liberté, fraternité, les trois mots. C'est ça, pour tous, et non pas pour un certain élite. Donc c'est ça que, dans ma tête, à tout instant, ça ne quitte pas en dehors de ma famille, etc. Mais si, dès que je suis 5 minutes et que je me pose, c'est ça que je veux faire vivre, c'est l'équité, l'égalité, l'amour, la paix et tout ce qu'il en est pour tout le monde. Voilà. Après, c'est ma façon de voir les choses. Hein. Chacun a sa façon de voir. Chacun vivra ce qu'il aura alimenté. Je ne suis pas voyante et c'est exactement ce qu'on me dit. Et c'est ce que vous disent beaucoup de personnes qui sont en contact avec les guides ou qui sont médiums ou peu importe, vous vivrez ce que vous alimentez, tout simplement. Donc c'est à vous, et vous avez le temps là, vous avez le temps pour alimenter ce que vous voulez voir venir après. Alors vous pouvez être toute seule dans votre espace-temps, on va vous prendre pour une marge, pour une barge, pour une marginale, pour un marginal, ou pour quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, ou n'importe. N'empêche que la personne, elle vivra ce qu'elle a envie de vivre, c'est-à-dire qu'elle vivra librement. Peut-être qu'elle sera obligée de faire des efforts, et peut-être qu'elle sera obligée de vivre une vie totalement différente de ce qu'elle vit maintenant, mais c'est ce qu'elle aura voulu, c'est l'expérience qu'elle voudra faire. Pour ma part, je ne peux pas, et ça serait mentir. Je pourrais éventuellement vous dire, futur proche, je le vois comme ça, mais ça serait faux. Ça serait faux. Juste avec vous, et ça serait vous mentir, et je veux pas. Je veux pas. Et je préfère être claire en vous disant que votre futur dépend de vous. De ce que vous décidez aujourd'hui. Votre futur dépend de ce que vous faites aujourd'hui, de ce que vous décidez de faire maintenant, pendant le confinement, de vos décisions. Voilà ma vision du futur, globalement, globalement. Parce que chacun a la sienne. Vous allez me demander à moi, je vais vous dire une chose, vous allez demander à quelqu'un d'autre et vous dire autrement. Chacun a la sienne. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas à aller chercher, il n'y a pas... C'est comme ça. Chacun fait vivre... Moi, les hommes politiques, par exemple, pour moi, ils n'existent plus. Hein. Pour moi, ils n'existent plus. Et ils ont disparu. Ils font plus partie de ma vie. Moi, pendant le confinement, là, rien à faire. Pardon. Moi, pendant le confinement, rien à faire. Et les hommes politiques... Rien à foutre. Eh bien, ça me parle même pas du tout. Salut, chou. Tu t'ennuies, alors tu regardes pour voir ce que je peux te dire. T'as raison. Ça fait passer 5 minutes. Donc voilà, chacun fait vivre sa réalité, chacun fait vivre sa vie.
figé, c'est pas figé dans la pierre. Chacun a son destin, chacun a sa façon de voir les choses. Vous prenez 10 personnes différentes, elles auront chacune, même si elles ont à la base la même façon de penser, chacune va vous donner un sens différent de sa façon de voir la vie. Donc c'est pas figé. On peut pas. Même les voyants qui vous sortent les cartes, ils vont vous sortir les cartes d'après l'instant présent. Hein? D'après l'instant présent où vous êtes avec eux et ce qu'il pourrait éventuellement arriver, ce qui pourrait éventuellement arriver depuis l'instant présent jusqu'à un point donné, hein? Si vous, de votre côté, vous ne changez rien à ce que vous avez décidé de faire. C'est ça la voyance. C'est, voilà, le voyant, il m'a dit ça, ok, bah ça va se passer comme ça. Mais vous pouvez contourner la voyance. J'ai des personnes de ma famille qui l'ont fait. Vous pouvez contourner la voyance. Donc, si vous pouvez contourner la voyance, alors que c'est quand même les cartes qui vous le disent, hein, sur un certain. Vous pouvez contourner la voyance. À partir du moment où vous pouvez contourner la voyance, vous pouvez tout contourner. Et vous pouvez tout faire en votre faveur et de votre côté. Vous pouvez tout faire. Il suffit de le vouloir. Il suffit de l'alimenter. Je ne vous dis pas que ça va arriver comme ça. Non, ça ne va pas arriver. Il faut l'alimenter régulièrement, au quotidien, pour que. Voilà. Et surtout se dire, le faire comme si c'était déjà là. Voilà, je vis aujourd'hui. Voilà, je vis. J'ai un petit appartement, c'est pas grave, je fais pousser. J'ai pas de plantes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je préfère? Je préfère les plantes ou je préfère manger des légumes, ça? Prends un pied de tomate, fais-toi une plante avec ton pied de tomate. Alors non seulement ça sent bon, parce qu'un pied de tomate frais, ça sent très bon. Et en plus, quand elles auront poussé, tes tomates, tu pourras en profiter. Alors, si avec ça, tu mets un petit peu de basilic à pousser aussi, dont l'odeur est quand même géniale. Hein? Le fait d'être dans un appartement, dans un petit appartement, ne vous empêche pas de vivre votre vie au quotidien. Hein? C'est pas vrai. Hein? C'est l'excuse de dire, ouais, mais tu comprends, moi je vis en appartement, je peux pas faire pousser des légumes, je peux pas faire. Eh bien, si. Pourquoi non? Ah, évidemment, un champ de pommes de terre, ça me paraît un peu compliqué, et un champ de blé aussi. Mais j'ai des légumes du quotidien qui vous en empêchent de les faire pousser, même dans un appartement. Ben, à la place d'un ficus, vous mettez des tomates, vous mettez des. Je sais pas moi. Des légumes grimpants, des courgettes, des poireaux. Ben, des poireaux, peut-être pas, mais. J'ai pas des poivrons, des trucs comme ça. Il y a toujours moyen. Il suffit de le vouloir. Et plus vous allez jouer dans cette. Plus vous allez être positif dans vos pensées, plus vous allez vous dire, ouais, c'est génial, super. Ouais, là-haut, oh, dans mon 30 mètres carrés, j'ai réussi à faire pousser un plant de tomate. C'est génial. Vous invitez vos potes à manger votre salade de tomates. Il n'y en aura peut-être que deux ou trois ou quatre. C'est pas grave. Vous aurez, mais ça va vous donner envie de continuer parce que vous dites ça, elle est super bonne ma salade, et les copains, elle est super, ouais, ça va vous donner envie de continuer, et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on avance, voilà, tout simplement. Et ben merci, Regeg, ça me fait plaisir si ce que je t'ai dit, si j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est très bien. Donc du coup c'est dommage parce que petit à petit vous venez, mais moi je dois partir parce que du coup ben l'homme de ma vie s'est réveillé et si vous reprenez depuis le début, après-midi ce live, c'est parce que mon chéri avait fait une sieste et que je voulais faire un gâteau et que pour pas le déranger, eh ben je suis venue ici et j'ai discuté avec vous, j'ai papoté, j'ai passé un moment très agréable en tout cas et je vous remercie tous d'avoir été présents et à ceux qui ont laissé un commentaire, c'est super 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 sympa. J'apprécie énormément. Si vidéo, si vous voulez en laisser d'autres, des commentaires, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir que j'y répondrai.
Ah, Jacqueline. Tu vois? Bah voilà, c'est ce que je disais, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Exactement. Au lieu de prévoir sur 14 jours, tu prévois sur moins longtemps. Déjà, ça te permet de manger des choses. Si tout le monde peut faire pareil, mais est-ce que tout le monde veut faire pareil? C'est ça la question. Parce que c'est accessible à tout le monde, hein. Mais est-ce que tout le monde veut? La question, c'est ça. Est-ce que tout le monde veut? C'est ça. Parce que tout le monde peut. Rien dans ce monde n'est vraiment impossible si on veut le faire. Évidemment, moi, j'irai pas sauter du haut d'un mur de 50 mètres avec un élastique. C'est pas que je pourrais pas le faire. C'est que j'ai trop les pétoches pour le faire. Donc, j'irai pas le faire. Donc, pour moi, je peux dire que c'est même pas que c'est impossible, c'est que je pourrais pas le faire. Donc, psychologiquement, je crois que j'aurais trop peur de mourir d'une crise cardiaque avant d'arriver en bas. Donc, forcément, c'est sûr que ça freine. Ça freine. D'accord? Et comme j'ai pas envie de quitter cette planète tout de suite et que j'ai envie d'y rester encore quelques années, hein? Parce que finalement, moi, la planète Terre, je l'aime beaucoup, je l'adore, elle est merveilleuse, elle est juste fantastique. Et depuis qu'il y a ce confinement, elle est encore plus belle. Ben voilà, c'est juste formidable. Alors non, le problème n'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est de vouloir. Est-ce qu'on veut? Jusqu'où on veut aller? Et jusqu'où on veut? Jusqu'où on veut de la souffrance? Combien de temps on veut de la souffrance, jusqu'où on veut aller pour que ça s'arrête, et qu'est-ce qu'on fait à la base, qu'est-ce qu'on fait pour mettre en œuvre une tactique pour que ça s'arrête? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? C'est ça. Moi, je me prends régulièrement. L'univers m'envoie des messages. Alors, je vais vous dire très, très sincèrement, l'univers m'envoie des messages via mon mari. Et régulièrement, les messages qu'il m'envoie, ils sont costauds. D'habitude, je ne les prenais pas bien. Je ne les prenais pas bien, je me rebellais. Et 3 jours après, je me dis, ouais, peut-être qu'il n'a pas tort. Et je m'y mettais. Hier, je me suis dit, tiens. L'univers veut me dire quelque chose. J'avais tout, vous savez, les numéros qui s'accordaient et tout. Il disait, l'univers est près de vous, il veut vous parler. Alors je lui dis, ok, j'écoute qu'il me parle, j'écoute. Ah, il m'a parlé. Ah, il m'a parlé. Pour me parler, il m'a parlé. Et c'était tout à fait vrai, c'était tout à fait exact. Et je n'avais absolument, juste, je n'avais pas envie de le voir. Je ne voulais pas le voir. J'avais juste pas envie de le voir. Et au lieu d'en vouloir à mon messager, parce que il m'a retransmis, parce que quand de la façon qu'il m'a parlé et tout, j'ai su que c'était voilà, c'était l'univers qui m'envoyait son message. Et au lieu de lui en vouloir, je lui ai dit merci. Je lui ai dit merci de m'avoir transmis ton message. Merci. Donc, tout ça pour dire que quand on demande, on reçoit. On reçoit pas forcément quand on veut, parce que je me serais bien passée de cette paire. Enfin, j'ai pas été battue, hein. Quand j'ai une paire de claques, c'est une paire de claques comme ça, très imagée, hein. Mais je m'en serais bien passée. Mais au final, je l'ai demandé. J'ai demandé, vas-y, donne-moi mon message. Je l'ai eu. C'est tout. Je l'ai eu. J'ai eu mon message. Maintenant, je sais. Enfin, je sais. Je le savais, je voulais pas en compte, mais maintenant, je sais. Voilà. Tout ça pour vous dire que la vérité, c'est chacun qui la détient. Chacun détient sa propre vérité.
On ne peut pas vous dire quelle est votre vérité. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Il n'y a que vous qui pouvez décider de ce que vous voulez voir. Vous qui pouvez décider de savoir de ce que vous voulez faire de votre vie, faire de votre futur. Il n'y a que vous. Alors, je ne vous dis pas que c'est facile. C'est pas facile. Je ne vous dis pas que c'est que ça va se faire du jour au lendemain. C'est pas vrai. Parce que il faut que ça travaille là-haut, il faut que ça se coordonne, il faut que ça... Voilà. Mais c'est possible. C'est possible. Pas facile, mais possible. Et comme tu dis, Jacqueline, oui, bientôt, on sera tous obligés de faire des choix et de venir à faire des choix qui s'imposent, qui s'imposeront à nous d'ailleurs, parce que on a notre libre arbitre, mais quand on prend un chemin, il est très difficile de faire machine arrière après. Hein. Très difficile. Moi, j'ai décidé que je suivrais la voie de l'énergie divine et que si on avait des messages à me faire transmettre, quoi qu'il en coûte, je les prendrais. Ben ouais. Ah, c'est pas facile, hein. Ah, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Il y a toujours notre ego, notre mental qui est là. Et putain, mais pourquoi Bah ouais, mais non, c'est pas comme ça. Faut accepter. Accepter, dire que oui, finalement. Reconnaître qu'on a foiré à cet endroit-là. Et se pardonner et se dire, bah ouais, mais... Je suis qu'un être humain à la base et je suis là pour apprendre aussi bien que mon âme et l'expérience, on l'a fait à deux. Donc voilà. Ben écoutez, je vais vous laisser finir votre après-midi tranquille. Moi, je vais aller faire ma pâtisserie que je devais faire depuis tout à l'heure. Je vous souhaite un bon mardi 7 avril. Ah, d'ailleurs, c'est notre anniversaire à mon ange gardien et à moi. Non, notre anniversaire de mariage, ouais. Bon. Ben voilà. C'est même pas pour ça que je voulais faire un gâteau d'abord. Non, j'ai eu envie comme ça. Mais je viens de réaliser qu'en fait, c'est pas plus mal. Voilà. Donc, tout ça, écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Prenez soin de vous. Prenez soin des êtres chers qui vous entourent. Et soyez en paix surtout. Soyez en paix. Et je vous dis à bientôt sous le soleil pour un nouveau live. On verra bien de quoi on va parler. Peu importe de quoi on parle, ce qu'il faut, c'est dire ce qu'on a dans le cœur. Hein? Partager. Partager ce qu'on a dans le cœur, partager ce qu'on a à partager. Donc, à bientôt. Portez-vous bien et tout l'amour du monde. Bye.